spécialiste Ziz Vivaldi, Ziz Freddy Vivaldi, non ? Oui, c'est le dernier. No, it's not so much things to say, except that this music must be played with a lot of fantasy. When I hear what you did, I say perfect. Intonation, everything is here. Now, I would like more fantasy. Allegro. What does it mean? Que je veux plus parler français. Mais tu parles anglais aussi. Alors, qu'est-ce que ça veut dire allegro? Joyeux. In italiano allegro. Allegria, la joie. C'est allegro, c'est joyeux, happy. Allegria. Be happy, don't worry. Hein? Souvent, nous jouons la musique ancienne avec beaucoup de respect pour le compositeur, c'est bien. Mais alors, on joue un peu académique. Cette musique n'est pas sérieuse. C'est la musique de divertissement. Bom, bim, ya, pa, 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 bom, bim, bam. Tu peux danser sur cette musique. Hein? Voilà. Et Vivaldi, tu sais, c'était un prêtre. Vivaldi, hein? Mais un prêtre un peu spécial. Un prêtre qui aimait beaucoup la vie. Voilà. Voilà. Hein. Donc, il ne faut pas jouer ça trop sérieux. Il faut jouer ça en t'amusant. On refait. Tu as fait, je suppose, elle a fait toute la pièce. Parce qu'il y a d'autres mouvements. Le premier seulement. Tu vas te préparer, tu vois. Bon, bon, encore, on refait, et smiling, hein? Hein?
ornement. Thank you.
que cette musique, je disais tout à l'heure, c'est la musique de divertissement. Donc, il faut jouer ça, divertissant. Happily. Hein? Avec le grand sourire, en dansant. Ah oui, absolument. Hein? Pas sérieux. Tous les compositeurs ont écrit des musiques, parfois avant Johann Sebastian Bach, par exemple, ou Vivaldi aussi, il a écrit des œuvres religieuses très sérieuses, très recueillies, mais ça c'est autre chose, c'est la musique de divertissement. Vivaldi organisait beaucoup de concerts avec ses élèves, il était prêtre dans un couvent de jeunes femmes, et voilà, il a écrit beaucoup de choses pour elles, de la musique de chambre, des tas de choses comme ça, faites pour donner dans des concerts, voilà, oui, c'est le mot divertissement, vraiment. Конечно, у всех композиторов, особенно того времени, есть много произведений, написанных для церкви и очень серьезных. Это, конечно, что-то другое. Но Вивальди, он был священником в женском монастыре, и он для девочек, которые там жили, писал множество произведений. И, конечно, они были очень веселые. Он с этими девочками организовал множество концертов в этом монастыре. Lui-même était un grand violoniste, très virtuose, et qui aimait montrer sa virtuosité. Donc il faut vraiment jouer cette musique en s'amusant. C'est aussi d'autres compositeurs, comme Johann Sebastian Bach, par exemple. Il y a les passions, toutes les œuvres religieuses, ça c'est une chose. Mais il y a aussi, c'est la même chose, toute la musique faite pour se divertir. Et on a du mal à s'imaginer Johann Sebastian Bach rigolo. Hein, mais non, il faut aussi, quand Bach écrit, je ne sais pas, par exemple... Aussi la méditation.